Il aura fallu vraiment pas du tout longtemps. Encore un autre poisson. Voilà, on va le travailler tranquillement. Qu'est-ce que c'est? C'est une amorce vraiment qui est attractive, hein. Donc vu que les poissons ils se mettent sur le fond et qu'ils ont l'appétit, parce qu'avec l'été très chaud, et là, les températures qui font une vingtaine de degrés, 20-22. Ah, encore un silure. Un petit silure. C'est déjà le deuxième. On pêche depuis une bonne demi-heure à peu près. Hop, on va prendre son temps. Bon, ben voilà. Un petit silure, encore une fois. Donc, franchement, en ce moment... on arrive à faire beaucoup de petits silures dans la Meurthe. Ça veut dire que les silures, ils ont bien réussi à se reproduire ces derniers temps. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, un poisson qui a récompensé encore une fois la pêche au clip. Et vraiment, on va essayer de persévérer et de faire d'autres poissons. Ben voilà, encore une touche. Hein. Mais là, c'est nettement plus petit. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un petit brème, apparemment. On va le dropper et je vous montre ça de suite. Donc voilà, on a quand même des très bons résultats avec le montage à la potence. Et voilà, comme quoi la 3000 gardons et les fils de moulure, ça permet de toucher différents types de poissons, dont là un joli petit gardon. C'est vrai que le montage comme ça, aux méthodes, c'est vraiment redoutable. Donc là, on a un petit carassin qui est venu mordre. Hop, on va prendre son temps, mais on va se le faire. Hop, il est épuisé. Et il est dedans. Hop là, décroché. Et maintenant, voilà. Là, vous avez un joli petit carassin de la Meurthe. Donc comme quoi, voilà, les jours pluvieux, vous pouvez faire un peu de tout. Mais on va essayer de vous présenter encore d'autres races de poissons et de persévérer. Et là, je suis sur un joli petit poisson. Peut-être une petite carpe, je sais pas. On va prendre son temps. Ah non, c'est un petit carassin. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est tombé dans un jour où les carassins ils sont actifs sur le secteur. Et ils viennent même sur les bordures apparemment. Comme quoi je vous le dis, quand vous pêchez sur les bordures, vous savez un peu ce qui va se passer. Même dans les chenals, dans les cassures, etc. Ça vous donne un peu l'humeur du poisson. On va prendre son temps. Hop.
faut toujours par contre que vous attendez que le poisson il présente bien sa gueule. Hop, et c'est dedans. Donc voilà, comme quoi à la canoco on peut quand même attraper de très jolis poissons. Donc là, comparé au carassin que je vous ai montré avant, ça fait même pas 5 minutes. Donc on va le décrocher encore une fois. Donc voilà. Un autre petit carassin, voilà, de la Meurthe. Vous pouvez voir que c'est vraiment des poissons qui pullulent normalement ici. Alors on les voit quand même un peu moins qu'avant. Je me rappelle quand j'étais dans le secteur il y a quelques années, on en faisait beaucoup plus. Mais il reste de très 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 beaux poissons comme ceci dans les canaux lorrains. Et on va essayer de vous... Bon bah je rigole pas avec vous, on vient d'assister à un doublé. J'ai eu la touche en direct. Hop. Je pense que c'est peut-être un petit carassin encore, je sais pas. On va voir ça tout de suite, en tout cas c'est revenu directement dans les pieds. Eh oui, c'est toujours un petit carassin, donc vous pouvez voir, quand les carassins ça se décide à donner, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Hop. Il est dedans. Bon bah voilà, comme quoi finalement quand on fait bien les choses à la pêche, on est récompensé. Ce qui est rigolo par contre, c'est qu'ils ont tous la même taille. Hop, la potence coulissante. Donc pas ça encore une fois. Donc voilà, je me répète, mais quand vous êtes méthodique, que vous prenez le clip de votre moulinet, que vous prenez le temps pour sonder, et ben voilà, vous vous retrouvez avec des poissons comme ça et pas qu'un dans les mains dans une session de pêche. Donc j'espère vous dire au suivant. À peine lancé, hein. Donc comme quoi le méthode c'est vraiment quelque chose qui marche vraiment très rapidement. Une jolie plaquette. Voilà, encore une espèce différente. Elle a la patate, hein. On voit que l'eau elle est bien oxygénée là. Allez, dis donc. Ça y est, elle est dedans. Hop. Ah, c'est un beau plat. Hop. C'est un poisson qui doit faire approximativement 2 kg. Hein. Donc voilà, une grosse brème qui a mordu aux méthodes feeder. À peine j'ai lancé, elle avait déjà engamé mon montage à la descente. Franchement, une belle touche et on est récompensé par un joli poisson. Bon bah les amis, on se retrouve pour l'heure de la collation. Là on était venu donc du coup ce matin sur les coups de 9h, 9h30, le temps de s'installer, de faire quelques vidéos, etc. On a dû commencer à pêcher sur les coups de 10h30 je dirais. Et là il est midi. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va tirer un petit bilan en disant que ce matin on a déjà fait quelques poissons. Donc en 1h30 de pêche ça a été quand même super positif. Après la seule chose que j'ai pas pu vous filmer ça a été le départ d'une carpe il y a moins de 10 minutes. Je l'ai tenue pendant à peu près 5 minutes et elle m'a éclaté. Elle est partie avec mon bas de ligne. Donc ça c'est dommage, c'est un poisson
Voilà, je pense qu'il devait, à mon avis, faire largement la barre des 10 kilos. Donc c'est pas grave, c'est sans regret, on essaiera de refaire quelques poissons avant de partir. On va essayer de persévérer encore 2 bonnes heures. Et on va voir ce que ça va donner. Bon bah les amis, pour ceux qui regarderont la vidéo, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à tout à l'heure pour le montage. Elles ont vraiment la banane aujourd'hui, hein. Purée. Hop, hop. Et voilà, elle est dedans. Encore une autre belle brème. Je vais vous la présenter. Donc c'est vraiment une belle brème. Je vais enlever ma montre. Bon, regardez ça. Les brèmes des canaux lorrains, ça rigole vraiment pas. Encore une brème de 2 kg à peu près. Magnifique poisson. Donc voilà, on va essayer d'enchaîner et de garder cette même régularité là. Je vous dis à tout de suite avec un autre poisson. Et là les amis, on a un doublé. Bon, je sais pas du tout ce que j'ai tapé. C'est pas gros en tout cas, je pense à un petit carassin. Voilà, exactement ça. Bon ben voilà, les poissons ils sont nettement rentrés en tout cas sur la mort. Je pense que le carpix c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez dans vos amorces parce que ça va vous rapporter beaucoup de résultats. Allez hop. Et encore un carassin. Bon et ben voilà, un autre poisson. Donc voilà, comme quoi vraiment ce type de poisson, quand il rentre, on s'arrête pas de l'après-midi. Bon ben j'espère vous dire au suivant. Ça aurait été encore rapide. Un joli petit poisson je pense. C'est encore un carassin à mon avis, à la manière de combattre. Ouais, c'est un carassin. Bon bah voilà, encore un autre carassin. J'espère que ça va continuer comme ça et que le carpix va encore faire son effet. Ah, encore du carassin. Bon, ben, on voit que c'est nettement du carassin aujourd'hui qui est rentré sur le coup. Hop. Et voilà. Encore un autre carassin. Alors là, c'est aux méthodes. Donc c'est bien parce que généralement aux méthodes c'est pris sur le bord de gueule. Vous avez beaucoup moins de mal à décrocher les poissons qu'avec un montage à la potence par exemple. Là je sais pas si on peut le voir mais il est pris vraiment sur le coin de la gueule. Voilà, donc juste une simple pression et il est décroché. Donc voilà, encore un autre beau carassin de la Meurthe. On va replacer les cannes encore une fois et on va se retrouver pour expliquer un peu la stratégie.